Nous allons maintenant entendre Monsieur Gérard Dussouy, qui est géopoliticien, membre émérite, professeur émérite, pardon, à l'université Montesquieu de Bordeaux, et qui s'intéresse particulièrement à l'Europe. Oui, pardon. À la retraite, hein. Le mérite est toujours là. Et d'ailleurs, vous pourrez trouver un de ses livres dans le patio. Qui s'appelle « Contre l'Europe de Bruxelles, fonder un État européen ». Donc, comment, à votre avis, pourrions-nous nous réapproprier notre identité ? Oui, eh bien, mesdames, messieurs, cette question pose effectivement un gros problème. J'aurais tendance à dire presque aujourd'hui, vu les dynamiques que nous assistons au niveau international, quasiment mission impossible. Ou en tout cas, extrêmement difficile à surmonter. Surtout si, en plus de cette question de surmonter les identités, d'abord lesquelles, si l'on envisage, comme, et c'est mon cas, comme dernier recours, la naissance d'une identité européenne. Donc, cette question de l'identité, je pense, en soi, déjà, pose un problème de le départ. Et je voudrais essayer d'y réfléchir quelques instants à partir d'une idée simple. Une idée qui énonce que l'identité s'éprouve comme conscience et s'affirme comme volonté. Comme conscience, ça paraît assez évident. Avoir une identité, ressentir une identité, c'est d'abord savoir d'où l'on vient. Mais c'est aussi, et c'est, je pense, très important, se définir soi-même et éviter d'être défini par les autres. Comme ça a été le cas, il faut bien le dire, pendant longtemps, pour un certain nombre de peuples de l'ancien tiers-monde. Donc, là derrière, nous avons déjà un problème politique qui se profile. La volonté, c'est la volonté d'exister, ou peut-être même de survivre. Par conséquent, de s'adapter. Et cette question de l'adaptation apparaît aujourd'hui particulièrement essentielle, vitale, face au changement mondial. Parce que ce n'est pas innocent si l'on parle d'identité depuis quelques années, j'y reviendrai tout à l'heure. L'identité est donc comme conscience. Il y a une première évidence, c'est que pour un groupement humain, quel qu'il soit, de niveau local, régional ou national, l'identité, c'est d'abord la conscience d'avoir un passé commun. Et sur ce terrain, un sociologue et historien britannique, Anthony Smith, a bien montré que pratiquement toutes les nations européennes étaient au départ des groupements ethniques qui se sont consolidés au travers de l'histoire en s'inventant ce qu'il appelle un mythomoteur. C'est-à-dire que chacun de ces États, ou de ces nations, se sont inventés une histoire, une légende, à partir d'éléments concrets, matériels ou immatériels, comme l'espace commun, le passé commun, l'histoire commune, la langue commune, etc. Et on peut dire que c'est quelque chose qui s'applique assez bien à la plupart des nations européennes d'aujourd'hui. En face, l'autre définition est celle de Benedict Anderson, qui lui nous dit que l'identité, c'est quelque chose qui est avant tout imaginé, inventé. Oui, c'est exactement le contre-pied du précédent, ou presque. Et il n'a pas tort non plus, parce que si l'on considère l'identité française, il y a incontestablement dans notre identité une dimension idéologique considérable. La Révolution, la République a inventé la notion de République universelle. République donc ouverte à tous, du moment qu'ils sont prêts à accepter les règles de cette dite République.
Et on peut dire que cette identité inventée, c'est à submerger en quelque sorte l'ancienne identité pluriethnique de la France. Au point aujourd'hui d'ailleurs de créer de poser un problème majeur par rapport aux autres États européens, celui de la définition de la citoyenneté. Presque tous les pays européens ont des citoyennetés qui reposent sur le droit du sang. La France est une des rares à mettre en avant le droit du sol. Et ce qui pourrait d'ailleurs poser problème un jour si on s'est vertué à définir une citoyenneté européenne. Rétroactivement, on peut dire aussi que cette notion française amène à reconfigurer complètement la construction même de la nation française. On le voit bien aujourd'hui. Et en troisième lieu, on peut également, comme le font les historiens, et je pense notamment ici aux travaux de deux grands historiens français, Fernand Braudel et Pierre Chaunu, qui, de manière plus matérielle, plus concrète, nous affirme que l'identité, c'est d'abord et principalement le produit de l'histoire. C'est le produit des épreuves traversées, surmontées. C'est une identité qui a pu même évoluer au gré des contextes. Ce qui veut dire en tout cas qu'une identité n'est jamais figée, jamais intangible, et par conséquent, jamais immortelle. Pour survivre, donc, l'identité doit s'adapter. Et c'est le problème d'aujourd'hui, principal. Parce que si nous parlons tant d'identité depuis quelques années, c'est parce que nous avons affaire à un changement mondial drastique qui remet en cause, justement, la notion d'identité, en tout cas les particularismes identitaires. Je voudrais ici rapidement envisager trois points qui me paraissent assez fondamentaux. Ce changement mondial, en effet, il se traduit aujourd'hui par un changement politique considérable, au point que je pense que l'on peut parler aujourd'hui d'une géopolitique post-occidentale, à savoir que l'Occident ne maîtrise plus rien, ou en tout cas plus grand-chose. On le voit notamment avec ce qui se passe du côté de l'Asie aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on a pu nous dire pendant des décennies, le monde ne s'est pas occidentalisé. Alors certes, il a adopté la technologie occidentale, mais il n'y a, sauf que très superficiellement, il n'y a pratiquement pas de partage des valeurs. Les valeurs occidentales, les valeurs n'ont pas été véritablement assimilées ailleurs. Il n'y a pas de partage des normes juridiques, sociétales. Et c'est d'ailleurs évidemment un des grands problèmes de la mondialisation. Donc, pas d'occidentalisation, contrairement à ce qu'on a pu penser longtemps. Mais au contraire, monter ici et là de nouvelles tendances hégémoniques. On le voit par exemple avec la Chine, qui monte en puissance, qui a prévu d'être en 2049, pour le 100e anniversaire de sa révolution, la première puissance économique mondiale, la première puissance industrielle. Elle fait tout ce qu'il faut pour, et qui affirme ouvertement aujourd'hui le retour à ses valeurs, et qui n'a que faire de la démocratie occidentale, au point qu'elle vient presque de désigner un nouvel empereur à vie. Donc, si l'on retient essentiellement cette nouvelle donne internationale, cette nouvelle donne de la puissance, on peut après tout se poser la question de savoir si, dans quelques années, on n'assistera pas à une orientalisation du monde. Parce que, avec la puissance, et en particulier la puissance économique, ce sont les normes qui s'imposent à travers le monde. Des tendances hégémoniques, on en trouve ailleurs, notamment
dans le monde musulman, et il y a plusieurs États qui seraient susceptibles un jour de se porter les leaders d'un grand mouvement expansionniste. N'oublions pas que en Europe, la prochaine grande première puissance, en tout cas démographiquement et sans doute militairement, ce ne sera pas une puissance européenne, puisque ce sera la Turquie. Donc, ce problème de l'identité, il est corrélatif du changement mondial. Si l'on se pose aujourd'hui la question autant de l'identité en Europe, c'est parce que nous ne dominons plus le monde. Jusqu'aux années 1960-70, tant que l'Europe et les États-Unis ont dominé l'Europe, il n'y a jamais eu de débat sur l'identité. On ne se posait pas en France la question d'identité de la France, en Allemagne, la question d'identité de l'Allemagne, même les États-Unis, qui ne se sont jamais trop posés, ne se sont pas posés comme aujourd'hui. Qui se posait ce problème de l'identité? Soit les pays, les peuples que nous dominions, soit à l'intérieur de l'Europe, les petits peuples qui étaient, eux, effectivement, depuis déjà des décennies, plus ou moins, dominés par une métropole, par une nation. Donc, la question du changement mondial aujourd'hui, c'est la question de la survie des identités. En fonction des rapports de puissance qui ont changé, mais aussi, on ne peut pas le sous-estimer, en fonction des changements technologiques. Car aujourd'hui, nous vivons dans un monde connexe et synchrone, un monde de plus en plus numérisé, où on le voit bien. Les jeunes générations ont beaucoup de mal à se situer. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne se ressentent de véritable appartenance à rien, ou en tout cas à pas grand-chose, sinon à eux-mêmes. Cette question de la survie des identités est posée aussi, évidemment, c'est fondamental, par la question qui finalement est la plus préoccupante, qui est la question de la démographie. Parce que comme disait Pierre Chaunu, quand il écrivait sur la France, et qui dans son livre La Peste Blanche, notamment, qui disait « Pourquoi parler de la France s'il n'y a plus de Français un jour ?» Et c'est un peu l'orientation que nous avons prise aujourd'hui en Europe, notamment avec ce phénomène d'une dénatalité considérable, violente presque, que nous connaissons depuis quelques années. Pensez que l'Italie, par exemple, en 2017, a perdu 100 000 habitants, a perdu en tout cas 100 000 vrais Italiens. Alors vous allez me dire, il y a du monde qui est arrivé pour les remplacer. Oui, mais il y a quand même 100 000 nationaux italiens de moins en 2017. Et ce problème va se généraliser à toute l'Europe, au point de mettre en difficulté, sinon en crise, certains systèmes sociaux et certains systèmes économiques. Par exemple, l'Allemagne, qui à partir de 2020-2025 va manquer et de gens qualifiés, puisque une grande partie des générations aujourd'hui sera partie à la retraite, et va se retrouver avec une demande interne extrêmement faible. La seule chose qui sauve encore l'Allemagne, ce sont ses excédents commerciaux. Et plus ça va aller, plus elle va être obligée de délocaliser pour pouvoir survivre. Les grandes firmes allemandes l'ont déjà commencé. Donc nous avons là un problème qui est totalement crucial, qu'on en aborde toujours évidemment sous l'angle économique principalement, mais qui est aussi un problème d'identité. Ce qui fait que dans ce changement mondial, et là je suis un peu en d'ailleurs en désaccord avec l'orateur précédent, je pense que nous pouvons parler d'un dépérissement de l'État-nation européen. Je crois qu'il faut, et beaucoup de politiques aussi, vu leur incapacité à répondre aux défis qui se présentent, doivent avoir cette conscience, un sentiment d'impuissance. Nos États-nations européens sont de plus en plus impuissants face à ce nouveau monde. On peut véritablement parler de ce point de vue
d'une précarisation politique. Donc, cette prise de conscience d'une nécessaire adaptation pose la question de savoir, oui, mais s'adapter, mais comment, bien entendu. Et c'est là que les avis, évidemment, peuvent diverger. Je suis de ceux, en tout cas, qui relient l'identité à l'adaptation, certes, mais aussi à la puissance. Et je ne vois pas, aujourd'hui, comment les Européens pourraient sauver leurs identités particulières, sans se regrouper d'une manière ou d'une autre, et de se regrouper politiquement, j'entends bien. Il me semble qu'il faut à tout prix d'abord que les Européens privilégient tout ce qu'ils ont en commun, c'est-à-dire la civilisation. Une civilisation dont Max Weber nous a montré qu'elle était absolument exceptionnelle. Et donc, privilégier ce fond civilisationnel sur tout ce qui peut évidemment séparer encore les Européens, notamment les langues, les coutumes. Le problème des langues est sans doute un des problèmes essentiels parce que c'est le problème qui perturbe, qui gêne la communication entre Européens. Ce qui veut dire aussi que si l'on envisage, si on peut aspirer à l'émergence d'une identité européenne, il faut bien voir que cette identité ne peut venir que de la volonté, et de la volonté d'abord des peuples européens. Des peuples européens qui auront peut-être pris conscience que leur destin est véritablement commun. Je pense que dans les prochaines décennies, la contrainte systémique, c'est-à-dire la contrainte du système international, la somme des défis qui vont s'offrir devant les Européens, peuvent les amener à évoluer dans cette direction. Il faut voir en effet que l'identité européenne, si elle doit exister un jour, ne peut être que le produit d'une sorte d'agglutination des identités nationales et régionales. De cette agglutination pouvant sortir une conscience et une volonté de se considérer comme tous liés par le même destin et d'envisager donc, en réévaluant les valeurs civilisationnelles, une sorte de super-identité qui pourrait recouvrir et protéger l'ensemble des autres identités. Alors, ça peut paraître assez abstrait ou peut-être un peu utopique, mais personnellement, je ne crois pas aux solutions de repli, pas du tout, que ce soit les replis nationaux, que ce soit les replis régionaux. Pourquoi ? Parce que le problème, il n'est pas que mental, il n'est pas qu'idéologique. Le problème, il est politique. Nous vivons dans un monde concret, qui est un monde de rapports de force. Et comment une région d'Europe pourrait-elle faire mieux, par exemple, qu'une nation qui n'arrive même plus à pouvoir participer à la décision mondiale, qui n'a aucune prise sur la réalité du monde, malgré les discours, malgré tout ce que l'on peut raconter. Mais il n'y a pas un pays en Europe aujourd'hui, France ou Allemagne, pour les deux plus puissants, qui peuvent infléchir le cours de l'histoire mondiale. Ce qui veut dire que l'identité européenne ne peut pour véritablement exister et pour, dans son sillage en quelque sorte, sauver les autres identités, ne peut conduire qu'à une structure de type étatique. Personnellement, je défends l'idée d'un État européen qui rassemblerait les nations européennes. Bon, on peut chercher d'autres solutions, bien entendu. Mais si on n'arrive pas dans les toutes prochaines décennies à créer en Europe un centre unique de décision politique, malheureusement, je pense que les
vents de la décadence souffleront de plus en plus fort sur notre vieux continent. Alors vous me direz, tout ça c'est de la prospective, c'est peut-être un beau projet politique, mais dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, dans l'immédiat, je crois qu'il faut généraliser ce que l'Iliade justement a commencé, c'est faire une politique d'information des opinions publiques européennes afin d'essayer de les mobiliser, sachant qu'elles ne se mobiliseront véritablement que au bord du gouffre. Hobbes nous a bien compris que nous a bien fait comprendre que le sentiment fondamental, celui qui fait marcher les gens, qui fait marcher les peuples, c'est la peur. Et on se réunit que quand on a peur. C'est toute l'histoire du Léviathan. Eh bien, nous avons aujourd'hui besoin d'un Léviathan européen si nous voulons pouvoir arriver à nous sauver corps et âme, je dirais. Guillaume d'Orange disait, tout le monde connaît sa phrase, hein, « Là où il y a une volonté, il y a un chemin. » Donc, ça permet d'espérer. Mais pour que cette volonté existe, il faut au préalable une véritable prise de conscience. Merci.